Ah, comme c'est beau ici! Ouais, pas vrai, les gars? Le paysage est magnifique! Regardez, les gars, regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Refario, tourne à gauche! Va plus vite là-bas! Plus vite! Plus vite! Attention! Refario, là! Va par là! Oui, c'est juste là! Là par là! Vas-y, vas-y, vas-y! Oh putain! C'est quoi ce truc là? Oh merde! Les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien! Les gars, je pense que c'est une météorite qui est tombée! C'est une météorite! Oh my god, cela signifie qu'on peut le vendre super cher! Et on va devenir riche! On va gagner des millions, les gars! 4 pierres, 4 millions au moins, les gars! J'en sais quelque chose! Oh les gars, on peut faire avancer la science, ouvrir de nouveaux horizons à l'humanité. Nous en ferons un musée et deviendrons les personnes les plus célèbres du monde. Dimon, tu vas bien ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ça vaut beaucoup d'argent ce truc, je te jure. Bien sûr, on les vend et basta. De quoi parle-t-on? On les prend et on s'en va. Non, allez. Non, qu'est-ce que tu fais? Attention. Arrête Dimon, arrête de faire ta caguette petit. Ne t'inquiète pas, quand j'étais petit, j'ai trimballé les trucs plus chauds que ça. Ne t'inquiète pas. Et voilà. C'est assez pour toi, c'est à toi. Et moi, moi, donnez-moi. Attention. Ouais. Les gars, on se casse d'ici, allez, partons d'ici. On file, les gars. Allons voir sur internet combien ça coûte. Et on les vend, vous êtes d'accord? Allez, oui, ok, on y va, c'est parti. A few moments later. Quelqu'un nous a devancé. Il n'y a pas de météorite. Quelqu'un nous a devancé. Retour à la base. Later. Les gars, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je n'ai aucune idée. Je pense qu'il faut se reposer un peu et ensuite le donner au musée. Non, pas dans un musée. Nous allons les vendre. Ok, on fait une petite sieste, après on verra. Je suis claqué. D'accord, je vais jouer sur l'ordi. Et moi, je vais regarder la télé. Oh, je me vois pas. Où je suis? Je suis parti. Oh les gars, comment c'est possible? Oh mon dieu, je file. Oh, une passe, une passe. Oh, il me reste que 2 minutes. J'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Qu'est-ce qui s'est passé au juste là? Oh, je dois descendre tout de suite et dire à tout le monde ce qui vient de se passer. Qui était le chef de la 5ème République française? C'est quoi ces questions trop dures, les gars? J'arrive pas à comprendre, j'en sais rien. C'est une question facile. La réponse est Alpha Charles de Gaulle. Ah, allez, on va vérifier maintenant. Comment tu savais ça? Safario, calme-toi, je te dis. Calme-toi, c'est une question très simple. Calme-toi, vraiment. Comment est-ce possible, les gars? Stas ne fait pas penser à un intello. Les gars, j'ai une nouvelle de malade! De quelle nouvelle parles-tu? Ne crie pas si fort, Odyssée. C'est quoi tes nouvelles? Regardez, j'ai un super pouvoir! Odyssée, c'était quoi ça? Qu'est-ce que tu viens de faire? Les gars, là c'est mon super pouvoir! Et je suis vraiment super rapide! Oh, Odyssée! Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Quelqu'un m'a frappé! Qu'est-ce qui se passe? Ah, les gars, c'était moi! C'était moi! Comment t'as fait ça? Eh les gars, j'ai la super capacité de devenir invisible quand je veux! C'est quoi ce bordel, les gars? Cette famille de merde, je comprends pas! Pourquoi vous faites ça? C'est quoi cette farce? C'est pas possible, ça! Je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez vos blagues à la con! Ça suffit! Mais vous êtes complètement cinglés, faire des choses pareilles à la maison! Odyssée, qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est moi, Odyssée! Et ça, c'est Rafario! Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Je suis Rafario, je suis pas Odyssée. Qu'est-ce qui se passe ici? Les gars, calmez-vous, j'ai une idée. Rafario, tu peux te regarder sur ton téléphone à travers la caméra ou pas? T'es balivernes, donne-moi ton téléphone, je vais regarder. Tiens, s'il te plaît. Quoi? Oh, c'est vrai, je suis Odyssée. Et pourquoi est-ce que j'ai les cheveux blancs? Et pourquoi je suis chevelu comme ça? Et pourquoi suis-je si petit? Oh mon dieu, je peux pas le croire. C'est fou ce qui m'arrive. Les gars, j'ai compris ce qui se passe. Cette météorite que nous avons trouvée a donné à chacun de nous des super pouvoirs. Vraiment? Exemple,
Odyssée est beaucoup plus rapide. Moi, je suis intelligent, Dimonde devient invisible et Raffario peut se transformer en n'importe qui. Oh, incroyable! Maintenant, voyons si je peux redevenir Raffario. Oh, c'est cool, c'est très bien ça. Oh, donc là, maintenant, on est des super-héros. Vous pouvez aussi être des super-héros, les gars, en vous abonnant pour découvrir quels sont vos pouvoirs, vos super-pouvoirs, les gars. Ouais, les gars, il y a des choses très sérieuses qui se passent dans cette maison. Les gars, écoutez-moi très attentivement. Ce sont les météorites que nous devons surveiller de très, très, très près. Parce que si on les perd, on n'a plus rien et on perd nos pouvoirs. Est-ce que vous comprenez? Stas, mais t'es intelligent, dis donc. J'arrive pas à croire que tu puisses être comme ça. Je te connais depuis ta naissance. Raffario, heureusement ou malheureusement, mais j'ai changé maintenant. Later. Cherche les diamants! Cherche les diamants! Je cherche, Odyssée, je cherche, tu ne vois pas? Dis-moi, attention, il y a des zombies! Oh, je peux pas, on doit partir! Oh, je vais mourir! Non! Non, les gars, je suis mort, je n'arrive pas à le croire! Oh, mon pote, d'accord, je vais au chiot, Dimon! Ouais, d'accord, vas-y, oh, mes amis, je dois rejouer encore! La 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 la. Les gars, Dimon joue trop au jeu vidéo. Je veux l'arrêter. Maintenant, je vais lui faire une blague. Oh, les gars, et si on faisait une blague à Dimon? Allez, venez ici, les zombies. Je vais vous tous détruire. Hop, ah voilà. Allez. Vas-y. Odyssée, t'es con? Tu fais exprès? Laisse-moi tranquille. Ne touche pas à mes écouteurs. Vas-y, on continue. Mais laisse mes écouteurs tranquilles. Quel enfant gâté tu es, c'est vraiment incroyable. Oh, j'ai trouvé de l'or. Et qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as éteint l'écran? T'es qui? T'es complètement dégénéré ou bien? Allô la Terre? Bordel. Ouais. Oh les mecs, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, je te dis, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? T'es stupide. Arrête maintenant, je te dis stop. Tu as de vrais problèmes, tu sais. Les gars, je peux pas croire ce qu'Odyssée a fait. Il est sur le point de voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleut à l'intérieur? Je ne comprends rien. C'est quoi? De la pluie? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu te moques de moi, Odyssée? Ce n'est pas toi qui m'as cassé mon clavier! Quoi? J'étais assis ici à jouer avec mes jouets! Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Je t'ai vu! C'était peut-être Raffario? Et il a pris ta forme et m'a confondu, Odyssée! Oui, dis-moi, peut-être! Je t'assure que je n'ai rien fait! Regardez ce qui se passe, les gars! Oh, Odyssée, je suis désolé, allons chercher Raffario! Oui, cherchons-le! Ah. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Ils ne me trouveront jamais. Je suis devenu une plante verte. Raffario, où es-tu? On te retrouvera. Où peut-il être? Une fleur, un mixeur. Ouais. Oh, tu entends ça? Je pense que cette fleur, c'est Raffario. Raffario, ça suffit. Redeviens un être humain normal. Raffario, tu vas bien? Qu'est-ce que t'as fait? Regarde ce que Dimon m'a fait. Ouais, pourquoi tu as cassé mon clavier? Vous n'êtes pas innocent non plus, vous. Qu'est-ce qu'il vous dit? Ne blaguez pas, peut-être. C'est ta faute. Oui, c'est ta faute. C'est toujours toi. Pourquoi moi? C'est ta faute. On se calme. Tu sais ce que Raffario a fait? Cela fait aucune différence. Nous avons tous des capacités et nous devons les utiliser pour une bonne cause. Pour la bonne cause, Stas, c'est-à-dire? Au lieu de s'amuser, de faire des blagues débiles, nous devrions aider notre prochain. Vous comprenez? Les gens qui en ont vraiment besoin. Je suis d'accord. Oui, c'est une très bonne idée. Stas, pourquoi tu accroches une météorite autour de ton cou? Parce que c'est comme ça qu'on doit faire. Non, rends-le-moi maintenant. Papa Stas, rends-le-moi. Maintenant, remettez-le à ma place, donne-le. C'est ça, vos garçons, et ne le touchez plus jamais. Si les météorites ne sont pas avec nous, nous n'aurons pas de pouvoir. Vos météorites, où sont-elles? Ils sont dans nos poches, c'est super. Voilà. Super, il est très important que vous ne les perdiez pas. C'est pourquoi je veux que tu les accroches comme ça, comme moi, d'accord? C'est une très bonne idée, parce que nous pourrions les perdre involontairement. C'est pourquoi je vais vous donner des uniformes comme le mien. Vous les mettez et vous sortez pour aider les gens. Et toi, tu vas faire quoi, par exemple? Dis-moi. Je suis le plus intelligent ici, et je vais tout contrôler depuis chez moi. Maintenant, allez mettre vos uniformes qui sont là-bas, et allez sauver le monde. C'est vrai, allons-y. Yo,
Donc, j'ai des takiwaki pour vous, pour que nous puissions communiquer. C'est pour toi, Raffario. Voilà, c'est pour toi, Dimond. Et ceci est pour oui, toi, Odyssée. Oui. Oui, tu dois rester en contact avec moi 24 heures sur 24. Okay. Oui, c'est ça, bravo. Gardez-les avec vous tout le temps. Bravo. Donc, votre première tâche est de sauver un animal, de le faire descendre d'un arbre. Il est situé ici. Tu dois y aller et le sauver. Une petite fille a demandé notre aide. Allez-y. On arrive. Ah, je suis très fier de ces gars-là. A few moments later. Aidez-moi, c'est mon chien. Nous sommes là pour t'aider. C'est quoi ton problème? Mon chien, là-haut. Qu'est-ce que le chien fait là-haut? C'est pas un chat, c'est un chien. Il l'a vu, un chat là-haut, il l'a poursuivi, il est resté coincé là. Ne t'inquiète pas, alors Raffario et Odyssée, mettez-vous au travail, commencez. Je commence. Allons-y. Alors, je suis prêt, transformation en échelle. Aïe aïe aïe, Odyssée. Et maintenant, t'es un troupe de bonnes mains, ma petite. Tiens ton toutou, il est en sécurité. Merci beaucoup, au revoir. Bravo, Odyssée le géant, bravo. Comme ça, continue comme ça, ouais, Odyssée. Je sais. Ah, les gars. Bravo, Raffario. Seulement j'ai l'armée, les gars, comme toujours. Ouais. Oh, ce sont des super-héros, je vais le mettre sur YouTube. J'ai l'armée, les gars. Allons-y, ouais. Allez. Il y a des nouvelles, Mike. Ils viennent de poster une vidéo de quelqu'un avec des dons extraordinaires. Jetons un coup d'œil. Mais ce sont nos pierres. Oui, Mike, t'as raison. Maintenant, nous savons qui les a pris. Juste un instant. Laisse-moi les géolocaliser. Là-bas, c'est ici. Allons-y. Allons-y. Les gars, ici il y a plus de gens qui demandent de l'aide. Vous devez aller rapidement dans le prochain quartier. Il y a eu un vol. Vous devez l'aider rapidement. Maintenant. Il a volé mon sac. Qu'est-ce qu'il y a? Il a volé mon sac. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Pas de problème. Et donc, Raffario, comment? Je vais me transformer en corde maintenant. Odyssée, prépare-toi. Odyssée, attrape-le. Je suis prêt. Qu'est-ce que je viens de voir? Comment a-t-il pu courir si vite? Et pourquoi l'autre s'est transformé en corde? Pour dire la vérité, c'est une très longue histoire. Enfin, j'ai gagné quelque chose. Mon salaire. Mon argent! Ce n'est pas le tien. Ne refais plus jamais ça, sinon t'iras en prison. Quoi? Où est-il? Où est mon sac? Peut-être qu'ils se sont perdus. Ils sont là! Les voilà! Merci beaucoup! Bonne continuation à toi. Seulement j'ai l'armée. Bravo, ouais, Odyssée, ouais. On a réussi, ouais! Ouais, j'ai l'armée. Oui, on a bien fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est une conquête. Récupère les météorites qui sont sur lui. Et mettez ceux-là dans la voiture, parce qu'ils savent trop de choses. On les a eus. Retour à la base. Les gars, il y a un signal manquant. Il a dû leur arriver quelque chose, une bonne chose. Et c'est que je peux les trouver parce que j'ai mis une puce dans leur costume. Donc je peux voir où ils sont maintenant. Jetons un coup d'œil. Ah, je les ai trouvés. Ils sont là, juste ici. Et là, je vais aller les sauver. Mais d'abord, je vais vous parler d'une arme que j'ai faite moi-même. Elle gèle absolument tout. Elle se transforme en glace. Je peux en avoir besoin très bientôt. Et j'ai aussi ce mécanisme que je peux utiliser pour ouvrir n'importe quelle porte dans le monde avec quelques codes. Très bien, allons-y. A few inches later. Ce n'est pas notre faute, non. Nous avons pris ces pierres juste pour faire du fric. Oui. C'est moi, je voulais vous le rendre, je veux vous aider. Je suis une bonne personne, c'est vrai. Nous ne sommes pas des voleurs, nous sommes bons. Ouais. Si elles sont à vous, prenez-les et laissez-nous partir. S'il vous plaît, laissez-nous partir. S'il vous plaît, ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute.
John, ils parlent beaucoup trop. Il faut scotcher leur bouche. Avec plaisir. Non, non, s'il vous plaît. Allons-y, John. On a des choses à faire. Ouais, allez. Juste ici, il y a l'entrée, mais elle est fermée. Mais j'ai une solution. Laissez-moi penser à un code et nous allons ouvrir cette porte. C'est ça. Super, c'est ouvert. Maintenant, allons à l'intérieur. Le prochain code... C'est bon. Les gars. Les gars, calmez-vous, je suis là pour vous sauver. Ah, le quatrième, bienvenue, t'es venu tout seul. Il est temps de vérifier si ça fonctionne. C'est bon, allez, lève-toi. Odyssée, laisse-moi te décoller. Comme ça, ouais, c'est bon, on part. Calmez-vous, les gars. On doit prendre nos pierres et y aller. Ok, ok. On y va. Allons les chercher rapidement. On y va. Les gars, attendez, écoutez-moi. Je pense qu'il est temps de se débarrasser des météorites. Pourquoi tout d'un coup? Tu ne veux même pas qu'on les vende? Mais c'est trop amusant. Non, parce qu'avec ces météorites, nous n'avons que des problèmes. C'est pourquoi il est temps de les décomposer, les gars. Allez, on les pose d'accord, par terre. D'accord, je suis d'accord. Bon, ben, je suis d'accord. C'est l'heure et je l'enlève. Tot papa, eh oui, eh oui, c'est moi, super. Allez, on les pose par terre. Maintenant, il est temps de les détruire. Odyssée, regarde combien il y a de jeux de société. Odyssée, fais attention, s'il te plaît. Mais quoi, je n'ai rien fait. J'ai pas vu ça en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Encore un carton est tombé. Mais comment ça? Ouais. Encore. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, je sais pas, mon dieu, Odyssée, que se passe-t-il avec la lumière? Pourquoi ça clignote, Odyssée? Oh, ça c'était encore. Encore. Quelque tout chose seul. Ne va pas là, Odyssée. Faut qu'on se barre, allez, on file. Les amis, il y a des fantômes ici. Allons te raconter, Raphaël. Allez, on court. Stop. Odyssée, la voiture est maléfique. Cours. Minutes later. Raphaël, on a des nouvelles pour toi. Qu'est-ce qu'il y a, les enfants? Que voulez-vous? Raphaël, on a été à Blabla Toys et il y avait des fantômes, Raphaël. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a sûrement des fantômes. La lumière s'éteint tout le temps. Et c'est toujours comme ça avec les fantômes. Vraiment. Dans le rayon jouet où nous étions, les cartons sont tombés tout seuls. Comme ça. Et c'était sûrement des fantômes, c'est sûr. Non, les gars, c'est très dangereux. C'est sûrement un truc bien pour nous. Parce qu'on va fonder une agence pour attraper les fantômes, mes amis. Oh, alors on va chercher tout ce qu'il nous faut, tous les outils. On va commencer, les gars. On va commencer tout de suite. Vous êtes d'accord? Non mais t'es fou toi, Raphaël. Raphaël, c'est bien ce qu'il faut. Ne contredis jamais, Raphaël. Jamais de la vie. Ce sera comme j'ai dit. J'ai l'armée pour toujours. Allons-y. Les gars, pourquoi criez-vous si fort, hein? Démon, nous inaugurons une nouvelle activité. On va attraper les fantômes. Des fantômes? Qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu fou? Des fantômes, ça existe pas. Ça va mais pas la tête. Mais bien sûr que ça existe, Démon. Démon, t'as peur peut-être? Quoi? Moi, pas du tout, puisque les fantômes n'existent pas. Voilà. Démon, pour ta gouverne, les fantômes rentrent dans les corps de ceux qui en ont peur. C'est vrai, Démon. Et fais attention, hein. Non, je n'ai vraiment peur de rien, alors ça va aller. Oui, bien sûr. Je viens de tout commander. Tout sera prêt d'ici ce soir. Tout sera livré ici. Ce soir? Pourquoi on y va ce soir? Peu importe, Démon, puisque tu n'as pas peur. Démon, ce soir, parce que c'est le soir qui est le meilleur moment pour retrouver les fantômes. Les gars, et vous, croyez-vous aux fantômes? Répondez oui ou non dans vos commentaires sous la vidéo, ok? Abonnez-vous, les amis, si vous n'avez pas peur des fantômes, allez. 2 hours later.
On est prêt. On capture ces fantômes, puis on les défonce. Ok. Et si on n'y allait pas du tout, hein? T'inquiète, jamais de la vie. Rafario sait ce qu'il faut. Dis-moi, arrête d'avoir la trouille. C'est pas bien, ça, tu sais. Je n'ai pas peur, je suis un homme civilisé. Nous sommes prêts, les amis. Allons-y. Les fantômes, on arrive. Et on arrive. On est prêt. Oh mon dieu. Dis-moi, tu viens pas avec nous? Non, tu sais, comme les fantômes n'existent pas, je vais rester ici. Ah, ok, d'accord, t'es trouillard. Va-t'en, enfoiré, casse-toi. Alors, nous sommes à l'intérieur de Blabla Toys et nous sommes prêts à la guerre, les amis. Et nous sommes très bien munis, les amis. Y'a ça. Cet appareil arrête les fantômes. Et cet autre appareil, il les déteste. Et au moment où les fantômes sont épuisés, bien énervés, on presse sur ce bouton. Ça les aspire et voilà, les fantômes sont enfermés pour toujours. Alors, on y va? Rafario, c'est quoi ce truc dégueulasse? Tu ne sais pas ce que c'est? Non, Rafario, mais ça, ça craint. C'est le sang du fantôme. Non, arrête. Je t'ai eu, c'est juste un peu de sang, rien de grave. Rafario, c'est pas marrant ce que tu fais. On est là pour retrouver des fantômes. Et toi, tu fais n'importe quoi. Concentre-toi un peu. Ne t'inquiète jamais, je mets de la vie. Ne coupe pas l'air sous le pied de Rafario. Les amis, je vais vous dire la vérité. Tout c'est faux. Je suis bien là et en train de me reposer. Pourquoi donc aller chercher des fantômes quelque part? Qui y croit encore, hein? Personne, hein? Oh mon dieu, les amis, qu'est-ce qui se passe ici? Il paraît que c'est les fantômes existent du coup. Oh mon dieu, je dois fuir, vite. Les fantômes. Où c'est les autres? Les gars, vite, au secours, c'est un monde fou. Et toi, tu fais quoi, Dimon? Tu nous as fait peur. Fantôme, j'ai vu des fantômes. Qu'as-tu vu exactement? Dis-nous. Un fantôme a pénétré dans la voiture. La voiture s'est mise à secouer, à actionner. Je suis parti en courant. Dimon, tiens, il y a un logiciel qui permet de trouver un fantôme. Voilà. Je sais, Rafario, c'est bien moi qui l'avais installé. Et bon, et maintenant, je propose que nous séparions pour retrouver les fantômes plus rapidement, ok? Allez. Qu'est-ce que tu racontes? T'es devenu fou ou quoi? Je viens pour ne pas rester seul et toi tu me dis de séparer avec vous? Mince, Dimon, t'as encore peur, t'es tellement trouilleur. À vrai dire, l'idée n'est pas très bonne, mais tu as raison. Nous devons nous séparer, les gars. Moi, je vais là-bas. Moi, je vais par là. Je prends ce chemin-là. C'est bon, on y va. J'y vais, moi. Oh, où êtes-vous, les fantômes? Ne me faites pas de mal, s'il vous plaît, d'accord? S'il vous plaît. Non, y'a personne. Ok, les gars, je dois trouver l'endroit le plus sûr dans ce bâtiment. Mais c'est juste pour s'ouvrir, c'est clair? Je vais en chercher un maintenant, mes amis. Ah, les fantômes, où êtes-vous? Je vais vous dévorer. Oh, c'est quoi? Le costume d'un fantôme? Les amis, je vais me moquer de Rafario pour me venger. Il nous a bien fait peur, maintenant ce sera à moi qui lui aura peur. C'est bien qu'on soit deux. Oui, Odyssée. Allons-y. Oh, je n'ai peur de rien, Odyssée, sache-le. Allons-y. Oh, Mario, aide-moi. Je t'ai eu, mon pote. Attention, la prochaine fois, je risque de te tuer. Ne te mets pas en travers du chemin de Rafario. Jamais, je mets de la vie. Sache-le, Stas, ça ne rigole pas, là. Ce sont des choses sérieuses. Allez, Rafario, t'inquiète. J'ai juste fait une blague, tout comme toi tout à l'heure. Concentrons-nous plutôt sur la recherche de ces fantômes, pour en finir. Déjà. Oui, concentrons-nous un peu, ouais. Allez, enlève-moi ça, allons-y. Ok, Dimon, tu es capable, tu avances. Dimon, tu es capable, tu es au top. Allez, tu es fort. Les gars, je pense que c'est l'endroit le plus sûr pour moi. Et j'ai une idée, c'est d'y faire un abri. Regardez ce que j'ai, du sel. Et comme vous savez, les fantômes détestent le sel. Et je vais donc en mettre ici pour me protéger ainsi. Et encore, j'ai des bougies.
elle préserve bien de toutes sortes de fantômes et de mauvais esprits. Comme ça, les amis, je serai doublement protégé. Alors, je m'organise une protection. C'est bon, c'est comme ça? Comme ça? Odyssée, tu sais quoi? On doit prendre chacun son chemin maintenant. Toi, tu prends à droite. D'accord. Et moi à gauche. Ah, le fantôme, où es-tu? Je n'ai peur de rien, sache-le. Ah! Oh, alors. Ah, petit machin. Tu veux jouer avec moi? Un jeu? Ah, je n'ai peur de rien. Oh, quelle bagnole! Oh, c'est quoi ça? Les gars, je vois rien, aucun fantôme. Ce serait une illusion, tout ce qu'on a cru voir, Odyssée et moi. Serions-nous fous? Je sais pas, ma foi. Je suis déçu. Je pense que les autres n'ont rien trouvé non plus. Rien, j'abandonne. Je m'en fous, je descends aux toilettes. Et puis quoi? Allez, de toute façon, y'a rien à foutre ici. Allez, je me casse. Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qui vient de n'importe où? Ah, c'est un fantôme! Parfait, mes amis. Alors, je viens de former ce cercle de sel. Autour de moi, je vais allumer les bougies parce que ça fait fuir les fantômes, comme je vous l'ai dit, mes amis. C'est vraiment une bonne chose. C'est bon, mes amis, je suis maintenant protégé et je suis très calme. Je vais être franc, cela m'a vraiment aidé. J'ai vraiment reposé ici, juste rester et voir ce qui se passe ensuite. Oh, Odyssée, Odyssée, il y avait un vrai fantôme. Moi aussi, j'ai été poursuivi par deux bagnoles. Restons plutôt à deux, comme ça c'est mieux. Oui, Odyssée, t'as raison, mais j'ai perdu mon arme, car j'étais sûr que tout était pour de faux et que c'était une illusion, tout ça. Moi, j'en étais sûr, tout pareil, mais où est Refario? Je sais pas, Odyssée, la dernière fois où je l'ai vu, c'était quand je vous ai fait peur. Qu'est-ce qu'on attend? Allons le chercher. T'as raison, Odyssée, t'as raison, allons-y. Mais où exactement, Odyssée? Prononce-me ce chemin-là, allez. Oui, vas-y, d'accord. Oh, les amis. La lumière clignote, je pense qu'un fantôme s'approche d'ici. C'est bien que j'ai mes bougies et mon sac qui me protège. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe ici, là? Hey, Odyssée, attends! Mon arbre et le fantôme étaient quelque part là. Mais nous devons y retourner pour trouver Raphaël. D'accord? Oui. Allez! Oh, les amis, je crois qu'on m'appelle. C'est mon équipe qui me recherche. Je sais pas, je vais peut-être les aider. Ils ont peut-être besoin de moi. Je vais aller sortir du cercle pour voir ce qui se passe. Si je sors du cercle, je cours un risque. Je sais, mais je vais le faire. Je suis un homme civilisé, les gars. Je viens voir. Oh, quel robot cool, tiens. Oh, beau jouet. Ah, oh, quel beau jouet. Oh, oh. Raphaël, Odyssée! Oh mon Dieu! Odyssée, quelqu'un l'a pris! Allons l'aider, allons-y, allons sauver! Allons-y! Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Raphaël! Stas, il est bloqué par une force invisible! Qu'est-ce que ça peut être? Aide-moi, Stas! Au secours! Pas comme ça, purée. Tire avec ton arme plutôt. Que fais-tu? Très vite. Prends ton arme. Ah. Odyssée, donne-moi l'arme. Tire dans le... L'autre bras. Raphaël, lève-toi. Tu vas bien? Et dis-moi. Merci beaucoup. Vive j'ai l'armée, mes potes. Mince, les gars, où est donc Dimon? C'est bien, Dimon. Raphaël, lève-toi. Lève-toi. Dimon Où es-tu, Dimon? Dimon Et Dimon? Oh,
Oh, Dimon. Où es-tu resté pendant tout ce temps, Dimon? Allez, on part, Dimon, on part. Non, je ne veux pas sortir, ma maison est ici. Ta maison, qu'est-ce que tu veux dire par là, Dimon? Je comprends pas, qu'est-ce que cela veut dire? Je veux que vous restiez là avec moi pour jouer le reste de notre vie. C'est quoi ce bordel? Que vois-je là? Oh mon dieu, Odyssée, c'est quoi? Les gars, il est possédé, ce mec. Ouvre le piège, Odyssée. On tire, Stas. Nous avons attrapé le fantôme. Mon dieu, Dimon, tu vas bien? Je vais bien, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Dimon, nous venons de te sauver, tu étais possédé par un fantôme, tu sais. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Du sang. Laisse, touche pas, mec. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu, fiston? J'ai très faim. Tu as faim? Tu veux que je te prépare quelque chose? Oui, je veux bien. Je voudrais que vous cuisiniez ce que je dessine. Parfait. Magnifique, commence là tout de suite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait alors? Oh, c'est bon, j'ai fini les gars. J'ai dessiné les spaghettis. Je vous souhaite qu'ils soient très bons. Ah, je suis un vrai pro là-dedans. T'inquiète mon fils, je te ferai ça. Bah vous commencez de quoi? Je comprends pas. Prenons des spaghettis d'abord, voilà. Alors j'enlève la ficelle, c'était bon et c'est parti, on peut commencer. Et mais pourquoi ça ne rentre pas? Je dois faire quelque chose, je vais les casser en deux. Qu'est-ce qu'il fait? Ne t'inquiète pas, juste des spaghettis, rien de très compliqué quand même. Stas, mais tu es bête. Je vais te montrer comment on les cuisine correctement. Vas-y. On va les mettre dans l'eau bouillante. Et ensuite, on patiente, les gars. Les gars, vous êtes tous des amateurs là-dedans. Tout d'abord, ce n'est pas les meilleurs spaghettis. C'est des spaghettis, quoi. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Maintenant, vous allez voir, les gars. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont des spaghettis, oh! Ça va pas la tête, hein! Et moi, je préparerai des spaghettis faits maison. Et on commence par la farine. Et dans cette farine, on fait une sorte de cratère. On casse un œuf là-dedans. On rajoute un peu de huile. Et un peu de sel à la fin. Et maintenant, on mélange tout. On fait un massage. Les gars, le plat est bientôt cuit. Et maintenant, la pâte est prête. Et on va en faire des spaghettis. On coupe soigneusement. On les jette dans l'eau. On remue le tout. Et aussi, on remue nos fruits de mer. Maintenant, on ajoute un peu de décoration pour faire joli. Regardez comme c'est beau! Oh, qu'est-ce que tu fais là? Je râpe le fromage, c'est obligatoire. Des spaghettis classiques à papa au ketchup. Qu'est-ce qui s'est passé, Stas? Qu'est-ce que tu fais? Les gars, ils sont collés au fond, je n'en ai plus besoin maintenant, hein? Stas, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, quoi? Dis-moi, je suis l'homme le plus intelligent du monde, regarde! Et comme ça, tout autour, oui. Maintenant, on rajoute un petit peu du chocolat, regardez, bien sûr, un petit peu, ah ouais! Et voilà! Oh, ça ne se fait pas, c'est pas des spaghettis! C'est horrible et dégueulasse, Stas! Ouais, les amis, regardez, ça va être magnifique! C'est moi qui gagnerai, sans aucun doute! Ce plat me semble très bon! Je vais commencer par ça! Oh, merde, c'est quoi ce truc bizarre? Bon, d'accord, je goûte! C'est pas si bon que ça, Dimon, désolé! Quoi? Les miens sont les meilleurs! Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sont trop bons, un goût idéal. Parfait, bravo mon fils. Wow, c'est quoi les gars? Ce sont des spaghettis sucrés confits, c'est de la folie, ils gagnent.
Oui, les copains, oui, je vois le plus fort. Parfait, maintenant je mangerai bien un très bon sandwich. Tiens, oui, comme ça. Un sandwich. Parfait les gars, c'est parti, hein. D'abord, on met du pain dans le grille-pain. Parfait, maintenant on coupe la tomate et les oignons. C'est pour que ce soit équilibré. C'est fait. Ce sandwich est juste comme il faut. Mettez un like. À quoi bon tout ça? J'en ai absolument pas besoin, moi. Tu es devenu fou, Stas? Ah, mais pas du tout, mon petit chat. Je vais utiliser ceci, bien sûr. Je mets des guimauves à la place des légumes. Eh oui. Et maintenant, du KitKat. C'est très mauvais pour la santé. Ils contiennent trop de sucre. Et je vais remettre des guimauves. Ouais, regardez-moi. Et je verse du sirop de chocolat par-dessus. Et je couvre tout ça. Et alors, est-ce que c'est prêt, Stas? Ah, encore un petit peu de sirop, je crois. Voilà, c'est bientôt prêt. Les gars, je reste en voie là. Je suis un chef cuisinier. Laissez-moi donc vous apprendre à faire un bon sandwich. Ah, n'importe quoi. On met du pain. Et maintenant, on casse un œuf. On fait un sandwich à l'omelette. Mais là, tu fais quoi, Dimon? On attend, ça sera bientôt prêt. Voilà, on laisse ça ici à côté. Maintenant, comme toujours, place au ketchup et la moutarde, c'est ma préférée. Feuilles de salade par-dessus. Maintenant, des oignons. Et on met aussi des tomates. De la saucisse par-dessus. Maintenant, on met du pain avec l'œuf. C'est sucré parce que toi, tu aimes le sucré. Odyssée, dis-nous maintenant qui a fait le meilleur sandwich. Je vais déguster celui fait par Stas. Pas mal, mais encore sucré. Alors, je sais pas quoi dire. C'est sucré parce que toi, tu aimes le sucré, mon petit chéri. Allez, vas-y. Maintenant, je passe au sandwich de Raffario. C'est fait par Raffario. C'est quoi là? Pourquoi il y a que des légumes? Alors c'est pas bon ça. Quoi? T'aimes pas? Ça va pas la tête? C'est bon pour la santé, Odyssée. Oh, regardez comme c'est bien. Oui, Odyssée, j'ai fait des efforts. Goûtons bien. C'est celui qui gagne à 100%. Ouais, les amis. Non, c'est moi qui devais gagner, les gars. Et maintenant, je vais dessiner des frites. J'espère que vous en sortirez. Des frites, ça va être bon, ça. Raffario, regardez apprendre. Ah ouais, d'accord. Vous êtes super cool, les gars. Regardez ce que j'ai, moi. Ouais. Des pommes de terre congelées, Stas, tu ne vas pas bien? Et maintenant, tais-toi, Zalou, on verse de l'huile, surtout. Et maintenant, on met les patates, et oui, ça va être bon. Non, non, ça, non. Oh mon Dieu. Oh, je pense que j'en ai plus besoin, là. Ah, c'est bon, voilà tout. Tu es cinglé ou quoi, Stas? Est-ce que tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu nous as exposés au gros danger. Vous voulez juste en finir vite fait, quoi, c'est tout. Trêve de bêtises pour aujourd'hui, les gars. On cuisine pour clôturer ce défi, putain. 1, 2, 3. Et ça, ça se fait comment? Comme ça, bien sûr, imbécile. Regarde bien comment on fait frire les pommes de terre. Un atelier pour toi. Ouais, et ça sent bon, hein, les gars. Et on met du ketchup, ce sera trop bon, super. Vous êtes trop nuls. Ah, des lardons. On enveloppe ça dans des lardons.
il est vraiment un bon cuisinier, hein, ouais. Oui. Et bien sûr, on rajoute de la moutarde. Et voilà, décorons aussi avec ceci. Oh, yo, j'ai une idée, les gars, regardez, ouais. Je mettrai les bonbons à la gelée à la place des pommes de terre, oui, et je verserai du sirop à la fraise à la place du ketchup. Allez, à toi de nous dire quel est le gagnant d'aujourd'hui. Bien sûr que c'est moi. Oh les mecs, regardez ces frites. Commençons par celle de Raffario. Oh, c'est moyen ordinaire, j'en mange pratiquement tous les jours. Quoi? Moyen, tu dis? Mais t'es fou, Odyssée, c'est bien celui que tu préfères. Les frites de Dimon maintenant, allons voir. Allons voir bien. Les gars, je n'aime pas du tout les lardons, c'est pas délicieux. Pourquoi Dimon n'a-t-il pas pensé que je mets pas les lardons? Comment? Tu n'aimes pas les lardons? Mais tout le monde aime les lardons. Maintenant, dégustons ce que Stas a préparé. Quelle frite bizarre! Waouh, mais ce sont les bonbons à la gelée! Ils sont exquis! C'est Stas qui a gagné!